Salut tout, c'est Lune et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, n'achetez pas de chat parce que regardez ce qu'il a fait à mon siège, il l'a dégomme. Hop, tu vas là-bas, t'as dégomme mon siège. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, ma foi magnifique, ma foi exceptionnelle. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire un parcours en bâti et en scramjet. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est noté à exactement 14%. Donc, 14%, c'est quand même. Voilà, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont rage quitte, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce que tu me regardes, hein? Qu'est-ce que tu me regardes? Le chaton, il va pas me regarder. C'est vrai que bah, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Ouais, c'est haut en fait. Ok, ça me prévient pas, ça fait des petits trucs comme ça. Ok, mais c'est pas grave parce qu'on peut remonter assez facilement. Donc, du coup, comme je disais, c'est 14%. Mais bon, après 14%, ça veut peut-être aussi dire que certains ont bugué à un certain point ou pas. Alors, en tout cas, je sais pas. Si on va galérer, si on va réussir, mais tout ce que je sais actuellement, c'est que ce soir nous serons en live, les gars, à 21h. Donc n'hésitez pas à venir ce soir pour le live de 21h. Wouhou! Et on est au point, forcément, j'ai envie de dire. C'est plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc là, déjà, on récupère la scramjet. Donc la scramjet, je rappelle que véhicule de type boost. Hein. D'ailleurs, là, ça vous a fait une vidéo où vous pouvez voir quel boost. Et le plus efficace, et je vais freiner. Enfin, je voulais freiner, mais je me suis viré d'un coup. Mais j'ai pas eu le temps de récupérer mon boost que m'ont déjà et eh bien dégomme. Et hop, les bien aller en arrière, quoi. Tu vois, le gars il va bien en arrière, quoi. Mec, il est chaud, quoi. Ok, alors prochain point plutôt sympathique. Alors, ce qu'il faut voir, je rappelle les gars, avec la scramjet, ok. Donc il faut rentrer dans un petit trou. Il y a des flèches qui indiquent. Donc je rappelle que avec la scramjet, ce qu'il faut faire, les gars, n'oubliez pas, donc c'est ce scramjet ou la rocket vautique, hein, peu importe. Donc déjà, il faut aller un peu plus haut, je pense. Ouais, je pense qu'on va sauter un peu plus haut que ça. Voilà, comme ça. On est peut-être un peu trop haut, je pense. Non, je pense qu'on est bien. Non, on est un peu trop haut. On est un peu trop haut. Donc faut récupérer le boost là et ensuite faut aller dans le trou. Ok, ça va être plutôt compliqué ici. Je pense que ce point va être hard. Voilà, j'oublie. Ok, j'ai récupéré le boost. Maintenant faut aller là-dedans. Waouh, ah ouais. Ok. Je pense qu'il faut récupérer le boost à peu près au milieu. Alors déjà, hop. Déjà faut que je trouve le bon élan ici. Je pense que là je suis un peu trop haut encore. J'arrête pas d'être trop haut. J'arrête pas d'être trop haut. Je surestime trop. En fait, je fais la technique de la salle, donc du coup, forcément, la technique de la salle ne marche pas à tous les coups. Là, je pense que je suis pas mal. Un peu trop bas. Un peu trop bas. Un peu trop bas. Alors, attendez, si je fais ça. Ok. Tu vois là, normalement, je suis bien. Les gars. Bah, moi, je suis bien, c'est le long qu'il faut. Ok. Allez, voilà, je vous ai dit quoi les gars? Je vous ai pas dit c'est l'élan qu'il faut. Je vous ai dit c'est l'élan qu'il faut et c'est exactement l'élan qu'il fallait. Faire quoi là? Ok. Ah ok, c'est bon, j'ai compris ce qu'il faut faire. Ok, guys. J'ai compris, donc déjà il faut aller au-dessus. Ok, comme ça je pense. Et là il y a le boost en fait juste ici à récupérer. Ok. Donc en fait faut faire un petit saut comme ça de comme Mario, tu vois, genre faut sauter comme Mario. Est-ce que là je suis bien ou pas? Non, un peu trop. Et le château il arrête pas. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Pas de bêtises hein. Est-ce qu'il faut sauter comme ça? Genre vraiment bien là. Non, j'ai pas récupéré. Ok. Donc en fait, faut pas toucher le mur en fait. Donc limite, faut sauter là alors. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok! Donc en gros, fallait sauter dès le début. En gros, fallait sauter dès le début et prendre le boost dès le début. Ok. Donc ça va, pour l'instant, c'est pas. Enfin, c'est pas galère, mais on va dire. On n'a pas trop.
Ok, j'ai récupéré le boost, mais je pense pas que c'est ça qu'il fallait faire. Encore un petit trou, donc c'est vrai que les trous, ils aiment bien nous les mettre. Ah. Ah, je pense que j'ai trop tourné. Ouais, j'ai trop tourné. Ok. Faut pas tourner non plus, abuser. Alors, je rappelle un truc, c'est vraiment ne stressez pas dans ce genre de course. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand je regarde, ils stressent et ils n'utilisent pas le frein à main. Mais je rappelle que si vous n'utilisez pas votre frein à main, c'est vraiment, vraiment compliqué de finir ce genre de course, sachant que elles sont vraiment hard. Ok, déjà, ici, on va prendre plus comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop trop mal. On va avoir le point. Ouais, c'est bon. Oh, BMX. Oh. BMX. Ok, guys. My name is Off. Ok. Bon, je suis le. Je sais pas pourquoi il a mis une flèche comme ça. Je pensais que c'était à droite, mais non, en fait, pas du tout. Alors, ici, rien de compliqué. Un peu de BMX, ça fait toujours plaisir. Ouais, faut planer en gros. Oh ouais, j'étais limite là. Je pense qu'il faut juste planer comme ça. Et je pense que là, les gars, on est vraiment, vraiment pas trop mal. Ok, on n'est pas trop mal, ça fait plaisir. Et je peux vous dire que là, le point, on va l'avoir assez facilement. Ok, donc là, on a eu le point. Je pense qu'il faut juste monter comme ça. Ouais, c'est bon, je pense qu'il faut juste monter comme ça. Hop, et là par contre, qu'est-ce qu'on a? On a encore la scramjet. On a encore la scramjet. Ok. Donc n'oubliez pas aussi de cancel votre boost. C'est vrai que c'est un truc que personne ne fait. Ou du moins beaucoup ne savent pas, mais vous pouvez cancel. Ok, ça c'est bon. Tranquille les gars, faut pas stresser. Alors vous pouvez cancel votre boost. Donc je rappelle que pour cancel le boost, regardez, je vais vous montrer un exemple. Donc là je fais R1. Et hop, je rappuie sur R1 et je sais pas si vous avez vu, mais mon boost s'est enlevé. Donc après moi, le boost il est sur R1. Peut-être que vous voulez pas sur R1. Moi il est sur R1. Et je rappelle que je l'ai déjà dit dans ma vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait un peu n'importe. Ouais. C'est bien ça pour me permettre de vous montrer. Alors regardez. Hop. Là je saute. Je booste. J'ai assez d'élan. Je fais quoi? Hop. Là j'arrête les boosts. C'est moi qui l'ai enlevé tout seul quoi. En gros. Mais là, je pense que j'ai pris un peu beaucoup trop d'élan. À mon avis, de ouais. J'ai un peu pris beaucoup trop d'élan. Alors, hop. En gros, voilà. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc, là, je rappelle que là, regardez, je tourne mon véhicule. Tout ça, c'est la tech du frein à main. Donc, je rappelle que pour le frein à main, si vous l'utilisez pas, ça va être vraiment compliqué de gagner des courses en scramjet et de faire bah, ce genre de performance. Parce que vous ne pourrez pas. Donc, je rappelle que pour mettre. Je rappelle, juste petit rappel, le frein à main paramètres, vous allez dans commande, vous allez ici en bas et vous inversez votre frein à main. Vous mettez avec. En fait, votre frein à main il sera sur croix. Et c'est plus simple de jouer avec, avec le frein à main sur croix. Bah, personnellement, c'est ce que je fais avec la salle. Ok, là, j'ai pas vu qu'il était là le point. À mon avis, j'aurais peut-être un peu trop d'élan. Ouais. Là, je suis bien là, je pense. Là, je suis pas trop mal. Là, je suis pas trop mal. J'ai même bien l'intérieur dessus, pile poil dessus, je pense. Ouais, pile poil dessus. Ouais, pile poil dessus, les gars. Hop. Quand je vous dis que je suis bien, c'est que je suis bien. Je le sens, quoi. Là, je serais pas non plus parfait, mais on a le point. Ça fait plaisir. On valide le point, quoi. Disons qu'on valide le point. Ok, donc pour l'instant, la course, 14%. Je pense que le point le plus compliqué. Où les gens ont rage quit. Bah je pense que c'est le point où faut rentrer dans les trous. Enfin, je pense que le premier point où faut rentrer dans le trou, c'est peut-être compliqué pour certains. Moi bon, j'ai pas trop galéré, je suis passé au bout de 5 ou 6 fois, je sais plus exactement combien de fois. Ok, c'est bon, j'ai eu le point. Fallait prendre par en dessous, les gars. J'ai eu le point, je crois que je l'ai validé, c'est bon. Okay. Ah merde. En fait, je sais pas si faut booster ou pas. Non, je pense qu'il fallait pas booster. Je regarde juste après commencer.
Ah bah en fait, je pensais que c'était un transfert de Valorant, mais non. Ok. Donc là, rien de compliqué. Vraiment rien de compliqué. On prend le point tranquille assez facilement. Bah d'ailleurs, il y a le point final. Et ça va être un 10 minutes challenge, les gars, pour nous. Donc 10 minutes 05. Mais on va se dire 10 minutes challenge. C'est passé, ça passe, ça fait plaisir. La course était plutôt sympathique. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je rappelle que ce soir, on est en live à 21h pour venir s'entraîner, pour pouvoir... Eh bien, s'améliorer en Scrum Jet, on le fait tous les jours ou en Rocket Vulture. En ce moment, on s'aime beaucoup les deux. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je rappelle que pour vous abonner, bah, abonnez-vous si vous n'avez pas mis la cloche. Et n'oubliez pas un truc aussi, les gars, si vous voulez jouer avec nous, devenez membre, vous pouvez participer au live, jouer avec nous, avec la salle et moi. Et ça fait plaisir. Sur ce, ciao.